السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فينما كنتوا في هذا العالم. سعيدة مرة أخرى بلقياكم في درس جديد من دروس تعلم المحادثة والتكلم باللغة الفرنسية. وإن شاء الله إن شاء الله تعلم اللغة الفرنسية، هذه اللغة الجميلة، سيبدو إن شاء الله وسيصبح بإذن الله هينا وسهلا معي. دونك غير تبع معي وكن متأكد أنك ستتعلم الفرنسية. ألوغ اليوم سابقا، عفوا، في الفيديو السابق رقم 15 كنا تحدثنا على أولا بدأنا نتعلمو كيف نتحدثو في حياتنا اليومية باللغة الفرنسية. ذكرنا النظافة الشخصية، خصوصا الأمور اللي كنقومو بها في الصباح. غادي نذكركم مرة أخرى على شكل واحد النص سنركبوه بالأمور اللي كنا تقمنا بها سابقا في الفيديو 15، ولكن دون ترجمة، يعني غادي نتحدث بشكل باللغة الفرنسية فقط. ثم سنتمم الأمر، يعني ماذا نقوم بعد ذلك، شنو هي الأمور التي نقوم بها إن شاء الله، خصوصا في الفترة الصباحية أو لا عند ذهابنا إلى العمل. دونك كيف سنتحدث باللغة الفرنسية عن كل هذه الأمور؟ Yallah, nubidaw. Alors, rappelez-vous s'il vous plaît ce que l'on avait fait l'autre fois, c'est-à-dire dans la vidéo numéro 15. Alors, le matin, je me réveille à 6 heures. Donc, ça dépend de vous. Peut-être vous vous réveillez à 6h30, à 7h, ça dépend de chacun d'entre nous. Alors, je me réveille à 6 heures, d'accord? Et je me lève. Et je me lève. À 6h15. C'est-à-dire 6h15. Alors, rappelez-vous s'il vous plaît la différence entre me réveiller et me lever. Je me réveille, c'est-à-dire j'étais endormie et soudain, j'ouvre mes yeux et je me lève, c'est-à-dire je quitte mon lit et je me mets debout. D'accord? Donc, le matin, je me réveille à 6 heures et je me lève à 6 heures et quart. Donc, je passe 15 minutes à réfléchir, à penser, à regarder peut-être mon téléphone, etc. D'accord? Donc, après, je fais quoi? Je fais ma toilette. D'accord? Je fais ma toilette et ça dépend. Donc, soit je prends carrément une douche. Donc, je prends une douche. D'accord? Ou alors, je fais ma toilette en me lavant le visage, la bouche, les oreilles, les mains, etc. D'accord? Donc, je prends une douche, je me savonne. Je me savonne, c'est-à-dire je mets du savon, d'accord? Donc, soit je me savonne les mains, mais quand je prends une douche, donc je me savonne, bien évidemment, tout le corps. Voilà, je lave, ou alors je nettoie, ou alors je lave plutôt mes cheveux. Alors, je lave mes cheveux avec... mes cheveux avec du shampoing. D'accord? Je lave mes cheveux avec du shampoing. On peut dire aussi, je me lave les cheveux avec du shampoing. Ensuite, on fait quoi? Puis, je fais quoi? Je me rince. Alors, je rince mes cheveux et je me rince en entier. Alors, se rincer, c'est-à-dire se débarrasser du savon ou alors du shampoing. Donc, je rince mes cheveux avec quoi? Avec de l'eau, bien évidemment. Donc, puis, je me rince ou alors je rince mes cheveux. Donc, je me rince les cheveux et le corps. Voilà. Je me rince les cheveux et le corps. Alors, pourquoi je n'ai pas dit mes cheveux ou alors mon corps? Parce que là, j'ai employé je me. Voilà. Sinon, je vais dire je rince mes cheveux et mon corps. Attention, ne dites jamais je me rince mes cheveux, je me rince mon corps, ça ne se dit pas. D'accord? Après avoir rincé les cheveux et le corps, alors on fait quoi? On s'essuie. On s'essuie,
Donc, vous avez peut-être compris, cela veut dire quoi? S'essuyer. Donc, je m'essuie avec quoi? Je m'essuie avec un drap de bain. Un drap de bain. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit l'autre fois, la serviette, alors on l'utilise pour essuyer le visage, les mains, bien évidemment, mais pour le corps, soit vous vous essuyez avec un drap de bain, ou alors vous enfilez carrément. Vous enfilez quoi? Vous enfilez un peignoir. Hein? Peignoir. Très bien, pas la baignoire. La baignoire, c'est le truc dans lequel on se met pour prendre un bain. C'est bon? Alors, enfin, je sèche, voilà, je sèche, il y a des personnes qui vont sécher leurs cheveux juste avec une serviette, d'autres qui vont utiliser carrément un sèche-cheveux, un sèche-cheveux. Donc, surtout les femmes qui ont de longs cheveux, alors elles vont utiliser un sèche-cheveux pour sécher leurs cheveux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit déjeuner. Donc, je prends mon petit déjeuner vers, je dirais, vers 7 heures, voilà. Donc, vers 7 heures du matin, je prends mon petit déjeuner et après, je me brosse les dents. Soit vous dites, je me brosse les dents avec un dentifrice et une brosse à dents. Donc, je me brosse les dents. Je vais mettre là, ça ici. Je me brosse les dents, d'accord? D'accord, avec un dentifrice, pardon, avec un dentifrice et une brosse, ça s'appelle une brosse à dents, voilà, une brosse à dents. Voilà, donc je me brosse les dents avec un dentifrice et une brosse à dents. Ou alors vous pouvez dire je brosse mes dents, la même chose, je brosse mes dents avec un dentifrice et une brosse à dents. Ou vous pouvez dire je lave les dents avec un dentifrice, donc la même chose. Brosser ou alors laver, c'est la même chose. Donc, rappelez-vous, on a dit aussi que je brosse mes cheveux avec une brosse ou alors je peigne, le verbe peigner, je peigne mes cheveux avec un peigne. Et rappelez-vous ce que la différence entre le peigne et la brosse à cheveux, d'accord? Donc, la brosse à cheveux ou alors le peigne. Très bien. On peut dire aussi je me donne un coup de peigne. C'est-à-dire je peigne rapidement mes cheveux. Je me donne. Je vais vous écrire cette expression surtout pour les filles. Donc je me donne un coup de peigne. Je me donne un coup de peigne. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Donc voici peut-être une nouvelle expression que je n'ai pas citée dans la vidéo numéro 15. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ensuite, je fais quoi? Ou alors, vous faites quoi après avoir pris le petit déjeuner? Donc, on porte ses vêtements. On porte ses vêtements. C'est-à-dire, je porte mes vêtements, je m'habille. Je porte mes vêtements, je m'habille. Et si je suis un parent qui travaille, alors je vais au travail. Alors là, on va utiliser des verbes d'action ou alors de mouvement. Alors, je vais au travail. Je vais au travail. D'accord? Si je dois accompagner les enfants à l'école. Donc, je dis quoi? J'emmène. J'emmène. Avec deux M. J'emmène. J'emmène mes enfants au travail. À l'école, pardon. J'emmène mes enfants à l'école. J'emmène mes enfants à l'école. D'accord? Je peux remplacer emmener par le verbe accompagner. Alors, je peux dire aussi j'accompagne. J'accompagne. La même chose. Mes enfants à l'école. D'accord? Si je ne travaille pas, si par exemple je suis un élève, un timide, ou la talib, alors là, au lieu de dire je vais au travail, je vais dire je vais à l'école. Soit je vais à l'école.
Si j'étudie dans un collège, je vais au collège. Et vous avez peut-être compris, le collège de Tsanao, l'école, c'est un nom féminin. Alors par contre, collège, on dit le collège, donc à le, ça devient au. Ou alors, je vais au lycée, Tsanawiya, je vais au lycée, d'accord? Ou si je suis un étudiant, donc Talib, donc je vais à l'université. Donc je vais à l'université. D'accord. Très bien. Si par contre je suis femme au foyer, c'est-à-dire bête bête, très bien, ou tahiyel jamie bête bouyout. Donc alors là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on fait après le petit déjeuner? Donc il y a des femmes au foyer, ou alors il y a des femmes qui vont faire des courses. Voilà, je vais, pardon, pardon, je vais garder ça. Alors, je vais faire des courses au marché ou alors au supermarché, c'est la même chose. Donc au marché par exemple. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'on fait. Alors pour les ce qu'on fait plutôt au travail, ça c'est dans une autre vidéo, inchallah, je vais vous parler des phrases, des expressions que l'on peut employer dans le travail. D'accord? La même chose pour l'école, le vocabulaire, les expressions qui relèvent du monde de l'école, des collèges, etc. Ça c'est on va l'attaquer dans une autre vidéo. La même chose pour les courses. Alors maintenant, à midi, on rentre. Voilà, donc à midi, on rentre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ou alors, qu'est-ce qu'on fait à midi? Alors, à midi, c'est-à-dire à 12 heures. Voilà. Donc, soit nous avons des parents qui travaillent en continu, et là, ils rentrent peut-être à 16h30. Ou alors à 17h, ça dépend. Ou alors il y a des parents qui rentrent à la maison, qui rentrent du travail à midi. Ensuite, ils retournent. Donc, on va voir quels sont les verbes qu'on va employer. La même chose pour les enfants. Ou كاين اطفال اللي كيتغداو يعني كياخذوا الوجبه ديال الغداء كياخذوها في المدارس ديالهم. سي بون دونك غنتكلموا على هاد الوضعيات كاملين باللغه الفرنسيه. alors à midi à 12 heures. alors à midi on fait quoi? On rentre à la maison. Donc je rentre à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, donc je rentre à la maison, mais si j'ai des enfants à l'école, je fais quoi? Je récupère. Récupère. Donc, alors, je récupère les enfants à l'école. Alors, je récupère les enfants à l'école. Ou alors, je vais chercher les enfants à l'école. Je vais chercher. Ça, c'est le contraire d'emmener, accompagner. Maintenant, je les récupère. Je vais les chercher. Donc, je vais chercher les enfants à l'école. Voilà. Alors, pour des mamans qui sont des femmes au foyer, peut-être que pendant la matinée, elle prépare le déjeuner. D'accord? Donc, il a quand même ummahat rabat buyout fahma qui stagnent le forsa bach qui jehzou wajbat el ghada pendant فترة صباحية، ولكن الأمهات اللي كيزاولوا العمل فمنهم اللي حتى كيرجع أميدي كيرجع مع 12 عاد كيجهز وجبة الغداء. Alors, soit je prépare le déjeuner, d'accord? Je prépare le déjeuner. D'accord? J'ahise وجبة الغداء, d'accord? Ou alors, on déjeune ensemble, d'accord? On déjeune ensemble. Donc, on déjeune ensemble. On déjeune ensemble.
on déjeune ensemble. Donc, là, d'où déjeuner, ça peut être un nom et ça peut être un verbe. Le mot hada, on peut l'utiliser comme déjeuner. Alors, on déjeune ensemble, yani ma'an. Ensemble, ma'an. D'accord? Together, en anglais. Alors, donc, on déjeune ensemble. Donc, c'est quand on a, par exemple, un horaire continu. Donc, on rentre à 17h. Donc, je déjeune, par exemple, au travail, ou alors je prends mon déjeuner au travail, ou alors au restaurant, pendant la pause déjeuner. Alors, donc je vais effacer le tableau. Donc, si à midi, par exemple, je ne rentre pas à la maison, car j'ai un horaire continu, ou alors si les enfants, par contre, ne rentrent pas à la maison, parce qu'ils ont eux aussi un horaire continu et donc ils déjeunent ou alors ils prennent leur déjeuner à la cantine, ça s'appelle une cantine. Donc là, on peut dire quoi? Donc à midi, je prends mon déjeuner. Je prends mon déjeuner. Par exemple, dans la cafétéria. Ça, c'est dans le travail. Donc, dans la cafétéria ou alors dans le restaurant, d'accord? Pendant la pause café. Ça s'appelle une pause café. Pendant la pause. Pardon, la pause déjeuner, pardon. La pause café, c'est le matin. Alors, pendant la pause déjeuner. C'est bon? Très bien. Alors, les enfants, par contre, prennent leur déjeuner à la cantine. Prennent leur déjeuner à la cantine. Voilà. À la cantine. La cantine, où elle m'appelle, les qui ont fait l'enfant, qui ont fait le radar d'album, fait le madrasa. C'est bon? Alors, pour ceux qui rentrent chez eux, c'est-à-dire qui rentrent à la maison à midi, donc après le déjeuner, ils ont la chance de se reposer ou alors de faire une sieste. Se reposer ou alors faire une sieste. Notez que la sieste se fait bien évidemment après le déjeuner. Donc si je me repose après le dîner, ce n'est pas une sieste. Si je me repose après le petit déjeuner, ce n'est pas une sieste. C'est bon? Alors, après le déjeuner. Après le déjeuner, بعد وجبة الغداء كان ندير شوية القيلولة. Donc je me repose ou alors je fais une sieste. Je fais une sieste. Alors, il y en a des personnes qui il y a des personnes plutôt qui, au lieu de se reposer, donc je regarde la télé. D'accord? Je regarde la télé. Ou alors je lis des journaux. Je lis des journaux. Aqra jara'id. D'accord? Il y en a ceux qui naviguent sur Internet, voilà, via le téléphone ou alors sur ordinateur. Je navigue sur Internet. Voilà. En attendant, bien évidemment, par exemple, 14h ou alors 14h30 pour retourner au travail. Voilà, donc on retourne au travail après ou alors on retourne à l'école, ça dépend. Donc je retourne à 14h, à 14h par exemple, écart, d'accord? Je retourne au travail. Ou bien évidemment, je peux dire aussi, si je suis un enfant, donc je retourne à l'école, je retourne au collège, je retourne au lycée, je retourne à l'université. Le soir, film SF. Alors, le soir, bien évidemment, je fais quoi? Je rentre chez moi.
Je rentre chez moi. D'accord? Je fais quoi? Je prépare le dîner. Bien évidemment. Surtout pour les femmes qui travaillent. Je prépare le dîner. D'accord? Ensuite, on fait quoi? Si nous avons des enfants, donc j'aide mes enfants à faire leurs devoirs. Mes enfants à faire leurs devoirs. D'accord? Quand le dîner est prêt, par exemple, quand le dîner est prêt, je mets la table. Je mets la table. On dîne et regardez, l'ahdoumaya, comme pour déjeuner, c'est un nom et c'est un verbe. Donc, on dîne ensemble. Quoi d'autre? Donc, je fais, bien évidemment, à la fin, après, je mets la table, je débarrasse la table. D'accord? Je débarrasse la table. C'est le contraire de mettre la table. D'accord? Je fais la vaisselle. Bien évidemment. Je fais la vaisselle. Ensuite, je me mets en pyjama. Donc, je me mets en pyjama. Je me mets en pyjama. D'accord? Je fais ma toilette encore une fois. Donc, on fait sa toilette le matin, ça va. Et on fait encore une fois sa toilette le soir avant de dormir. Alors, en pyjama, je fais ma toilette. Je fais ma toilette. Et je vais au lit. Voilà. Donc, et je vais au lit. Voilà. D'où la fameuse phrase que l'on dit à nos enfants le soir ou alors plutôt la nuit. Allez, les enfants, au lit. Allez les enfants au lit, c'est-à-dire allez vous coucher. Donc, je peux avoir aussi la phrase je couche mes enfants, je couche mes enfants, yani, ou saïdouhum, ensuite je vais au lit, voilà, ou alors je me couche. Voilà, donc, quand nous jouons mal, c'est agitant, quand tu as barré la hayatna l'yomina le sabah il a l'lay, hawit anani man ta'amqch. بزاف باش ما يصعبش عليكم يعني كل فيديو تعلموا فيه فقط مجموعه من العبارات حنا ما كي الهدف ماشي الفيديو يعطينا جميع الجمل اللي غنستعملوها في حياتنا اليوميه الا تعلمنا جوج الجمل او ثلاث جمل من كل فيديو فهذا شيء جميل وغيساعدنا شيئا فشيئا اننا نتعلموا اللغه باكملها غير هو دائما خص المراجعه وعلى فترات متباعده هذا هو الامر اللي انا كنصح به جميع الطلبه اي واحد يحب ان يتعلم شيئا ما فما كنحفظوش من الاول كنشاهدوا كنحاولوا اننا الا قدرنا نكتبوا شيء جميل ما قدرناش فممكن على واحد فتره تاع يومين او ثلاث ايام نعاود نراجع نفس الفيديو ونحاول انني بصوت مرتفع اعيد ولا اكرر هذوك الجمل والعبارات نحاول حتى هما نستغلهم ونستعملهم في حياتي اليوميه ونكونوا متاكدين انه بشويه بشويه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعلموا نتكلموا باللغه الفرنسيه في حياتنا وهذا هو الامر المهم لان اللغه هي قبل كل شيء وسيله للتواصل وهذا هو الامر اللي احنا نريد ان نتعلمه من خلال هذه الفيديوهات. رحله التعلم هي رحله كتاخذ شويه الوقت ولكن كتبغي نفس طويل كتبغي كذلك الصبر ولكن كتبغي كذلك ان نكون متفائل ونعرف ان ما كايناش شيء مستحيل وما كايناش لغه صعبه وما كايناش عقده اللغه الفرنسيه او لا عقده اللغه الانجليزيه او لا عقده جون سي كوا كاينه بالمثابره بالعمل وبالجد
وكذلك وهذه نقطة جيدة وضروري خصني نتحدث عليها، هي أنني باختياري للمعلم الجيد، باختياري المنهجية الجيدة، غادي نتعلم اللغة الفرنسية حذاري من معلم اللي كيكون هو أي أول شيء لا يتقن اللغة، فهذا بشيء طبيعي غادي ça va nuire à l'apprentissage de la langue. Donc إلا كان عندي معلم لا يتقن اللغة مثلا الإنجليزية، كيف له أن يعلمني اللغة الإنجليزية؟ وإن كان معلمي لا يتقن اللغة الفرنسية، فكيف له أن يعلمني اللغة الفرنسية؟ كنظن أن الرسالة كانت واضحة جدا. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.